Comment créer son affirmation positive? Il peut paraître difficile de trouver la bonne affirmation. Voici quelques règles qui t'aideront. Pense en termes de vibration. Le langage que l'univers perçoit de nous est vibratoire. Nous vibrons au travers de nos émotions. Sois à l'écoute des émotions que ces mots et cette affirmation te font ressentir. Choisis une affirmation qui te fait vibrer la joie et l'enthousiasme. Parle à la première personne. Écris au présent. Tu le vis déjà maintenant. N'écris aucune négation. Sois courte et précise. Ton affirmation doit t'inspirer la joie et le soulagement. Merci l'univers pour ce nouveau travail qui est tellement parfait pour moi. Merci. Ajoute une émotion positive. J'aime, je suis reconnaissante. Rends tes affirmations atteignables, car ça ne fonctionnera que si tu y crois pleinement. Par exemple, l'affirmation « Mon travail est épanouissant » pourrait te sembler inatteignable dans un contexte donné. Dans ce cas, tu aurais besoin d'une affirmation transitoire pour t'aider à ressentir la vérité de ton affirmation. Cette affirmation pourrait être « J'aime l'idée d'avoir un travail épanouissant. Je suis reconnaissante pour tous les aspects épanouissants de mon travail. » Tu l'auras compris, l'essentiel étant de valider intérieurement cette affirmation comme vraie et réaliste pour émettre la bonne demande vibratoire à l'univers. Comment utiliser les affirmations positives? Une fois tes affirmations créées, voici quelques conseils pour les utiliser au mieux. Avant de commencer, et pour te mettre dans les meilleures conditions possibles, pratique trois longues respirations pour te recentrer et revenir au moment présent et installer le calme en toi. Il faut que tu sois bien présente et concentrée sur tes affirmations. Tu peux aussi penser à une chose pour laquelle tu ressens de la gratitude, car le sentiment de gratitude ouvrira ton cœur. Le plus important est de ressentir les émotions positives que te font ressentir cette affirmation et de les faire vibrer en toi. Au début, je pensais qu'il fallait ressentir la joie que je ressentirais quand j'aurais atteint mon objectif. Mais ça ne fonctionnait pas, car je projetais mon souhait dans le futur. Quand tu dis ton affirmation, imagine que tu vis déjà ton objectif maintenant. Ressens les émotions positives que te procure ton objectif déjà réalisé. Si ça n'est pas facile pour toi, tu peux commencer par des affirmations telles que « Je suis heureuse maintenant que j'ai ce nouveau travail parfait pour moi. Je suis reconnaissante aujourd'hui car mon nouveau travail est pleinement épanouissant. » Prononce ton affirmation trois fois. Et répète cela plusieurs fois dans la journée, minimum trois fois, en faisant vibrer ton cœur sur la même fréquence que ton intention. Aide-toi de ta respiration. Dis ton affirmation à voix haute si tu le peux, puis inspire profondément et garde l'air durant 3 à 4 secondes en laissant l'émotion positive vibrer intensément en toi. Puis expire en répétant « Tout est accompli ». Où tout est parfait. Et après? Ta mission consiste ensuite à faire confiance en l'univers. Tu sais qu'il s'occupe de tout. Il est crucial que tes pensées, tes paroles et tes actes soient alignés à ta demande. Si des pensées de peur et des pensées limitantes surgissent et que ta petite voix te murmure, n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. T'es trop nul, t'es trop ceci ou pas assez cela. Voici la méthode que j'utilise quand je prends conscience que je viens d'émettre une pensée ou une parole négative. J'utilise une gomme virtuelle et je gomme mentalement cette pensée ou parole négative en disant « J'efface cette pensée ou cette parole négative. » Puis je m'adresse à mon être intérieur et je lui dis «
je choisis désormais d'avoir des pensées et croyances positives à ce sujet. Je remplace ensuite la pensée négative par sa correspondance positive et je la ressens profondément afin d'émettre une nouvelle vibration qui annule et remplace la précédente. Enfin, sois à l'écoute des synchronicités car l'univers va t'envoyer des signes et te tendre des perches.